Spooky, scary skeletons. Full of skeletons. Spooking, spooking, spookifying skeletons. Spooky, spooky, spook, spookers. Spooking, spook, spooking, spookity, spook skeletons. Of spookiness. Are you spooked? Because I am. Allez, on a commencé à jouer. Hop. Bon, de toute manière c'est enregistré, donc je vais pouvoir en faire quelque chose sur le site. Je suis effrayé, parce que j'y ai joué genre à ce jeu, quoi, une fois, et je suis allé là. Je suis arrivé à la salle, quoi. 200 et quelques, enfin là où il y avait le... mec là qui faisait super peur, qui ressemblait un peu à un personnage de Zelda. Et là... oh putain! Un fantôme! Bouh! Allez, on va voir le fantôme qui est super effrayant. Ok, je sais qu'il y a genre 1000 salles. On va essayer d'aller jusqu'au 1000. Allez, hop. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, moi. Je suis content. Putain, c'est pas moche hein, pour un jeu Game Maker, franchement. C'est pas dégueulasse. Ok. Ok. Bon, il se passe pas grand chose pour l'instant. Et c'est normal. Je veux dire, putain. Oh putain, pourquoi c'est plus sombre cette fois? Ok, je suis dans une prison, génial. Ok. Ok. La tension monte. C'est tout ce qui monte pour l'instant. Putain, j'aime pas les salles comme ça. Je ne tirerai par là. Pourquoi ça me stresse? Pourquoi je suis stressé? C'est qu'un jeu. C'est pas grave. Oh putain. C'est de la musique, c'est pas grave. J'ai peur pour rien. Bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Harry, je suis un... A la base, je jouais à des jeux vidéo pour plaisir, je me suis dit, tiens, pourquoi je les streamerais pas? Pour faire plaisir aux autres. Après tout, bon... Oh! Ok, bon, au début, cette place, cet endroit avait l'air juste mignon, mais maintenant, j'ai été bloqué ici depuis quelques jours. Je me sens très fatigué et j'ai toujours ce sentiment que, où je sois, je me sens... vu par quelque chose. Ce n'est pas du tout romantique. Bah non, c'est pas romantique. Pas du tout, même. Ok. C'est bizarre. Bon. J'ai testé ce jeu parce que mon pote Ezekiel, donc, qui est avec moi, donc le co-titulaire de la chaîne de Potard Jeu, on s'est dit, il m'a dit, ouais, tu devrais essayer ce jeu, il est trop cool, il fait peur et tout. Voilà, donc je me suis dit, ok, je vais le tester, on va voir si vraiment ça fait peur ou pas. Et me voilà donc, je testais un jeu fait sous Game Maker, que j'ai récupéré sur Game Jolt, qui apparemment a été fait par plein de youtubeurs connus, et qu'ils ont tous eu peur comme des grosses nénettes. Ok. J'ai jamais peur de rien, moi, donc. On verra ce que ça fait. Je suis pas effrayé par ça. Ah. Enfin bon. Ok,
Alors je joue au jeu en plein écran, je n'ai pas de deuxième écran pour voir ce qui se passe en chat, donc je ferai une pause à la room 50 pour voir ce qui se passe dans le chat, s'il y a des gens, et pour dire bonjour aux gens. Pour l'instant il s'est pas passé grand chose, il y a eu juste un petit jumpscare à la con. C'est pas grave. Ok. Oh. Ok. Bon. Ok, c'est un jumpscare, mais ça fait pas peur, parce que c'est un petit jumpscare à la con. Mais bon. Ok, room 50. On va faire une pause. On va regarder ce qui se passe. Alors, il y a une personne qui regarde, et je ne sais pas qui est cette personne. Donc, bonjour. Bonjour. Ok, je sais que quelque chose me fuit, mais... Mais je me sens comme quelqu'un qui gambade à travers les mêmes salles encore et encore. J'espère qu'en laissant des notes comme des mie de pain, je vais me prouver à moi-même que j'ai une progression et que je suis en train d'atteindre une destination. J'espère juste que je ne vais pas manquer d'encre. Et en plus, putain, j'ai soif. Ok, on descend. Hang in there! Tu vas survivre. Tu ne vas pas mourir. Tu vas réussir le jeu. Eh, hey, c'est pas mal ce truc pour faire genre, il y a du... Eh, hey, mais je kiffe en fait. Ouais, écoutez, en fait, moi ce que j'ai, c'est que je joue... Enfin, j'utilise beaucoup Game Maker comme... Bonjour. Resident Evil. J'utilise beaucoup Game Maker comme un logiciel pour faire moi-même des jeux en 3D, donc je connais un peu l'utilisation de ce logiciel et je suis toujours assez fasciné par voir ce que d'autres personnes peuvent faire avec Game Maker, et là franchement, moi je dis ok, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu mon cochon. Ah non, là j'ai pas eu peur. Merde, ça a bloqué. Putain, en fait c'est la musique qui fait flipper. Et c'est... Ah. Bon, je sais que là je devrais bientôt rencontrer un monstre gluant, voilà. Spouting, splashing, truc mushing, et là je me casse. Oh putain, pas cette salle. Oh non, pas lui. Ah ! Je veux pas mourir. Ah! Faut que je me grouille! Ah! Oh non! Ça c'est pas juste! Oh le truc d'enculé! Casse-toi! Oh putain, je déteste ça! Ça me rappelle trop des trucs horribles! Allez, on court, on court, on court, on court, on court! Il court le machin du Valjoli là! J'espère que je vais bientôt lui échapper. Je sais pas combien de temps il reste à me poursuivre. La dernière fois, j'étais arrivé jusqu'à la... Ah, putain ! Là, je suis tellement en tension que j'ai pas peur. Je suis juste en tension parce que j'ai pas envie de mourir comme une merde. Oh, putain. Mais bon. C'est un jeu sympatoche. Je veux dire, franchement, il est pas dégueulasse, il est pas moche. Putain, ça, c'est un effet que j'aimerais savoir à faire, ça. Je sais pas comment on fait, je sais qu'on peut avoir... Parce que je sais comment sont faits la majeure partie des effets de ce jeu. Mais cet effet-là, j'en ai aucune idée. Putain, en fait, je suis plus sur comment le jeu est fait que sur le jeu lui-même. Je réfléchis, mais en fait, j'ai pas d'idée. Oh putain, j'aime pas les salles comme ça. En fait, la toute première fois que j'ai joué au jeu, je suis mort dans cette salle-là, je me souviens, parce que justement, faire un grand aller-retour comme ça, et il y avait le monstre gluant qui poursuivait de partout. Le truc verdâtre qu'on a vu. C'est pour ça que j'ai pas peur, là. Mais... Voilà, parce que je me suis dit, ok, ça va faire peur. Spooky scary skeletons. Alors, l'encre. Bah, c'est dégueulasse, ça fait des taches, et en plus, ça va... Ça te rafraîchit pas. Et en plus, la boire, c'était pas vraiment romantique comme idée. No shit, Sherlock.
Spooky, scary skeletons are spooky and scary. Blum, blum, blum. Mais franchement, je kiffe le jeu. Hein. Je trouve qu'il est super intéressant. Enfin. Okay. Ah ah. Oh putain. Ah. Ah. Oh fuck. Putain, heureusement que je suis pas tombé sur des trucs comme ça à ma première playthrough. Imagine, tu te fais poursuivre par le monstre dégueulasse. Oh putain là. Putain, faut pas jouer à ce jeu quand t'es stressé de la vie. j'avais du mal quand je jouais à... Alors comment ça s'appelle ce truc là, horrible. SCP Containment Breach. Ce jeu, je l'avais détesté parce qu'il était juste... super chaud quoi. Et là... What? Ok. Ok. On dirait une salle d'attente. Alors là, j'imagine que ça doit être des mecs qu'on joue au jeu. Ouais, c'est des mecs qu'on joue au jeu. Eh, hey, il me dit quelque chose ce mec. Ah non. Ok. Par contre là, ça rame hein, le jeu. Oh là là. Ok, bon, on continue. Spooking. Spookifying, spooking. Je vais passer par là, dans le doute. Parce que je sais pas ce qui m'attend dans cette salle là, mais... ça, ça pue le piège à plein nez. Il n'y a plus que deux salles et je serai en sauvegarde. Ah. Faire une petite pause pour réfléchir. J'ai... comme dirait Scooby-Doo... Oh là là, Sammy, j'ai peur. Alors, j'ai trouvé quelque chose aujourd'hui qui me permettra de satisfaire ma soif non romantique. Je me suis réveillé aujourd'hui d'une brève, d'un bref évanouissement et je trouve devant moi une bouteille de vin rouge. Je ne suis pas sûr de la marque ou de l'année parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Tout ce que je peux dire, c'est que ça a un goût vachement métallique parce que c'est du sang, gros con. C'est évident, ça se voit comme les doigts de la main, c'est du putain de blood. Enfin, quand on est con, hein. Allez, on est reparti. Je crois que je vais pas rester longtemps sur ce jeu parce que j'y me fais peur. Je crois que je manque de courage en fait. Hein. Oh, oh putain, les bruits qui sont de plus en plus horribles. C'est pas le truc qui fait peur, c'est le bruit que ça fait quoi. Allez hop, je fais comme ça. Oh putain. Oh, voilà. Qu'est-ce que ça fait peur? Je me suis toujours dit, vous savez, moi je crée des jeux, hein, comme je disais, sur Game Maker, et comme ce mec en fait. Et je me suis toujours dit, est-ce que j'aurais les couilles de faire un jeu d'horreur? De créer un jeu d'horreur? En fait, bah non. Parce que même si par exemple celui-là, je commence à comprendre comment il est programmé, j'aurais jamais le courage d'y jouer quoi. Oh putain, des jeux d'arcade, Mrs. Spook. Eh, j'adore le design de la borne d'arcade. Ah, je sais trop comment elle est faite. Putain, j'ai trop envie de refaire des trucs pareils sous Mall of the Spook. Yeah, bitch, bitch, yeah, bitch, bitch, nigga, nigga, bitch, bitch, nigga, bitch,
bitch, nigga, nigga, bitch. Oh putain, j'adore ce jeu. Bitch, bitch, nigga, nigga, bitch, nigga, bitch, bitch, nigga, bitch, bitch, nigga, nigga, bitch. Les têtes qui explosent et tout le sang. Oh mon dieu, c'est cool. Bitch, bitch, nigga, nigga, bitch, bitch, nigga, nigga, bitch. Spooky, scary, skeleton. Putain, ça me fait penser à Saints Row, quoi. J'étais pas tombé sur cette salle, tiens. Ça, c'est bien. La tête qui explose, j'adore. Ça, je peux le faire. Oh, c'est génial. Oh. Ça lasse un peu, mais c'est rigolo. En fait, j'ai juste appuyé sur le bouton. Oh putain. Oh putain, le jeu de malade. C'est excellent. Putain, ça c'est du game maker. Ça me rappelle toutes les putains de creepypasta avec les mecs qui décrivaient... Mais d'où Game Over, vas-y là. Je vais rentrer mon vrai nom. Mon véritable nom d'homme. Spooky. Mac. Spook. Voilà, ça c'est mon nom. Eh, mais nique ta mère, je suis Spooky Max Spook, pas Spooky juste. Oh putain, c'était épique. Oh, il en faut. Oh, il y en a qui sont vides. Quelle honte. Oh. Alors toi, t'es quoi? Ok. C'est censé faire peur. Sérieux? Ça fait pas peur, hein. C'est juste rigolo à jouer. J'adore la tête des fantômes. Bitch, you's gonna get raped, boy May. Get your face down your throat and get the fuck out of here. You fucking fuck. You fucking fuck, fucking fuck, fuck, fucking fuckity fuck. Ha. Oh, épique. Bon, allez. On continue notre descente aux enfers. Spooky, 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 spook. Spooky and spooky. Spooky. What? Je connais pas ça. Ok. Ok, d'accord. Donc ça, c'est... Ça doit être tous les trucs qu'on rencontre dans le jeu. Ok, il y a ça. Tiens, ça me permet de me préparer. Bon, ça, j'ai connu. Alors... Mosley... Spécimen 2... Donc c'est un spectre qui change... L'état de la matière, c'est très efficace, ok. Donc l'élan. Ah, je m'en souviens pas de celui-là. Alors, ouais. Ok, ça fait peur, c'est une araignée. Moi qui suis arachnophobe, c'est génial. Un fantôme, ok. Mignon le fantôme. Enfin, mignonne. Je l'inviterai bien. Tiens, on va boire un coup. D'autres. What? Ok. Blablabla. Ok. What? Ok, je sais pas ce que c'est. J'ai peur. Ok.
Alors, je suis en train d'observer comment c'est fait parce que j'ai envie de recréer le jeu en fait. Plus j'y joue, plus je me dis j'ai envie de le refaire. Ah putain. Comment j'ai peur de cette merde. Ah. Je lirai pas la note. J'ai tellement, mais tellement pas envie de me retrouver contre un monstre que là je me dis putain, si je me retrouve contre un monstre, je suis juste mort. Ouais, c'est pas grave, Harry, c'est pas grave. Faut pas te laisser abattre par ça, quoi. Ok. Même salle. Après, je vois à peu près comment il marche, le jeu. C'est un jeu qui construit, en fait. Là, il se passe pas grand-chose, mais justement, c'est quand commence à se passer quelque chose que tu dois avoir peur. C'est nice, j'avoue. C'est intelligent, on va dire. Mais moi, ça me fait trop peur. Je trouve ça trop spooky. Je trouve ça trop vraiment spooky. C'est vraiment du... Hein ? J'ai pas envie d'être dans cette salle. Ah, nice les effets. Je sais trop comment ça a été fait. Oh putain, on dirait les portes de LSD Dream Emulator. Ok. What? What? Oh oh. Oh putain. Oh putain. J'aime pas ça. Oh putain, j'entends des trucs. Oh, je me tire. Oh putain. Au secours. Oh putain. En plus, il y a des trous, j'ai trop l'impression qu'il va y avoir un truc qui va tomber. Du plafond. C'est des trous, c'est quoi ça? Je sais pas, je veux pas savoir, je me tire. Tous les diables. Putain. Oh. Je sais que c'est le truc que je dis tout le temps, ça putain, mais je veux pas mourir bêtement dans un jeu sans arriver à la salle 150. Oh mon dieu. Comment un petit changement ça peut rendre le jeu beaucoup plus flippant. Allez hop. Pa 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 la la pa 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 la la pa 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 la pa. Oui, je chante hein, pour me remettre du courage là, parce que en fait je dis j'ai jamais peur aux jeux d'horreur, mais j'ai jamais joué à un jeu d'horreur qui fasse vraiment peur, à part les trucs indés qui jouent sur je ne pense pas que c'était du vin. Ah bon? Oh putain. Oh putain, c'est quoi? Ça, ça. Yes, bitch. Ça me rappelle un peu LSD Dream Emulator quand même, hein, dans le design. Ce qui est pas une mauvaise chose. Ok. Ah, je fais moi le malin là.
Alors je sais que j'ai l'habitude de beaucoup parler pour ne rien dire, mais là franchement je n'ai rien à dire à part que j'ai peur. C'est pas très constructif comme critique ça, de dire juste « Oh fuck !» C'est pas très constructif comme critique de dire juste « J'ai peur !» Mais plutôt des trucs... Il existe des choses plus constructives à dire, comme par exemple « Putain, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je joue à ce jeu? Pourquoi je suis pas en train de jouer à un truc tout mignon ?» Je veux dire « Merde quoi !»« Putain! Quelle horreur !» Oh, fais chier! Oh! Yes! Ça, le 150. Pause là, pour se remettre de ses émotions. Oh putain. Mais c'est monstrueux quoi. Ah mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, on y retourne. Ah putain. J'ai jamais eu... C'est un jeu sympatoche, je veux dire, il est sympa à regarder, il est sympa à jouer. Il est juste un petit peu spooky pour moi, là. Ok. Let's go. Ou comme dirait Luigi. Let's go. Je sais pas si je ferai un jeu spooky, moi. Je croirais chez les... Ah putain, ça me rappelle la salle des... de la tombe royale dans Zelda Ocarina of Time. Où tu combattais des... Comment ils s'appellent déjà ? Les effrois. Ouais, les effrois, c'est ça. Ou les Rideds, selon la traduction du jeu. Je préférais effroi comme mot, c'était plus classe. Et ils étaient en mode super scary et tout. Super spooky, scary skeletons. Et c'est là où tu récupérais le chant du soleil. Et c'était là où le jeu commençait à être un petit peu flippant, parce que bon... pas dire, mais les gens disent toujours ouais, Zelda Ocarina of Time, vas-y, c'était du gâteau et tout. Zelda, l'autre Zelda là, il était beaucoup plus spooky. Majora's Mask, mais franchement, non, Majora's Mask il est cringe. Oh putain, je crois que je me fais poursuivre par quelque chose. Oh oui, oh putain, non, pas lui, pas lui, pas toi, va te faire foutre, enculé. Oh, pas lui, putain, non, pas le truc bleu, faut que je cours. Faut que je cours. Putain. Oh. Ah. What. Je me souviens pas de ça. What. Oh, oh putain! Oh putain, j'ai l'impression d'être Bohort qui part au combat, quoi. Mes crayons! J'ai juste envie de me tirer. Ah là là, mon dieu, non. Quelle horreur ce jeu. Je me suis dit tiens pour... Oh putain, elle me poursuit. Ouh, putain de sa mère la chienne. Ça fait trop peur. Fantôme et tout là. Pas dans cette salle. Ah, fuck. Oh.
Putain, c'est bon, on est... Putain. Oh, ça me rappelle trop Mario Bros. Ah, mon Dieu. On va penser à autre chose, on va penser à des choses agréables. Pense à... Je sais pas, moi... Un gâteau. Un bon gâteau. Chocolat. Avec de la crème anglaise. Pense à des choses agréables, comme par exemple... Oui. La victoire des Français à l'Eurovision, ce serait bien, ça. C'est une chose agréable. Pense à, je sais pas... À The Grudge. Ça, c'est bien, ça, comme film, The Grudge, avec des fantômes et tout. C'est... Oui. C'est sympa, parce que ça t'arrive pas à toi, donc... Oh, fuck. Bon, ça va. Je suis en sécurité, apparemment. Je suis pas poursuivi par quoi que ce soit, donc... Ça peut aller. Je suis une grosse nouille. Je suis une grosse... Oh, fuck. Je suis une grosse nouille aveugle. Plus que 10 salles. Plus que 10 salles. C'est rien, 10 salles. Ça se fait vite, 10 salles. Hein, que ça se fait vite, 10 salles. Dites-moi que ça se fait vite, 10 salles. Ouais, ça se fait vite. Plus que 4. 4. 3 salles. 2 salles. Blablabla, blablabla. Oh, ben non ! Il est mort, l'homme romantique. Prochaine salle. Il est mort. Bon. Petite pause. Je suis tout à fait d'accord avec Sizi dans le chat. Pas grand chose, mais oui. Allez, on va essayer encore d'aller un peu plus loin. Mon Dieu. Comme dirait Luigi. Let's go. Mamma mia. I'm spooked. Oh no. Mario? Mario? Oh, putain. Ça m'intéresse trop de faire un jeu pareil, quoi. Merde, je me fais poursuivre par quelque chose. Spooky, spooky, spooky! Spookington, spookification. Je sais pas ce qui me poursuit, je pense que c'est le fantôme. Il faut pas que je traîne. Oh putain, je suis encore dans un truc encore plus flippant, là, on se croirait dans Silent Hill. Carrément dans Silent Hill en fait. Ah mais c'est carrément Silent Hill. On dirait Pyramid Head. Pyramid Head. What? What? Oh putain, c'est parti en full on LSD Dream Emulator là. Ça. C'est trop bien comme effet, putain, j'adore. La musique est dégueulasse, ça fait super flipper, j'ai peur. J'ai peur à la Scooby-Doo là, franchement, je suis genre en mode... Ouh là là, Sammy, j'ai peur. Moi aussi Scooby, j'ai super peur, putain. Même les Scooby Snack, toute ma vie, ils vont en peur. Mon Dieu, Scooby-Doo. Ben là, je me sens comme ça. Je me sens comme Sammy et Scooby qui ont peur. Et qui ont besoin de Scooby Snack. Tandis que Fred et Vera tendent un piège. Moi, je suis obligé de dire des conneries, parce que c'est le seul truc qui me garde à l'esprit que je suis en train de jouer à un jeu et que je suis pas en plein dedans. Et que je me fais poursuivre par un truc dégueulasse qui fait peur. Plus que 20 salles. Luc Vincel avec Scooby-Doo.
putain, j'aurais dû explorer là, les salles de Silent Hill, c'était trop classe. Elles étaient trop bien faites. Putain, je sais même pas si j'avance tellement c'est la merde. Oh là là, Sammy, j'ai peur. Moi aussi. Mangeons des Scooby Snacks, ça nous fera du bien. Oh, oh oui, Sammy. 10 salles. Pour l'instant, je suis sauvé. Allez. Plus beaucoup de salles. 7 salles. Encore. Scooby-Dooby-Doo, où es-tu? J'ai très très peur. Oulala. Scooby-Dooby-Doo, il y a des fantômes. Ils font peur, c'est des fantômes. Putain, il y a une lumière qui s'allumait, ça fait peur. Oh fuck. 1, 2, 3, 4. Ouh. Ah. So, you made it this far. That's great. I shall grant you a gift for your progress. So just keep going. Oh, password! Pumpkin! Ok. Elle est trop mignonne, Spooky. Spookyfied. Oh mon dieu, la spookification là. Oh putain. Oh. Oh yeah, folks, du premier coup presque. Bon. J'espère que je vais pouvoir... J'avais bien avancé en fait, je me souvenais pas de tout ça, j'ai joué il y a quoi, il y a quelques mois. Je me souvenais juste du truc de Majora's Mask parce que bon, j'étais plus marqué par les trucs Zelda. Ah, je me fais poursuivre par un truc encore. Génial. Oh, fais chier, pas eux. En plus celui-là était flippant, oh, fais chier sa mère. C'est le mannequin là. C'est le mannequin Silent Hill. Non mais c'est drôle parce qu'en fait j'ai l'impression que le jeu il reprend plein de trucs de... En fait il fait des pastiches de trucs d'autres jeux j'ai l'impression. Genre là t'as pastiche un peu de Silent Hill. Dans l'autre t'avais quoi? Une pastiche... Enfin il y avait une autre map, c'était une autre pastiche que dans l'autre truc. Quel jeu d'ailleurs que je retrouve? C'était une pastiche de... Oh! Problème de texture, tiens. Elles ont été mal allocatées. Allouées. Allocated. Je sais plus comment on dit. Il y avait un jeu... Comment ça s'appelle? Le jeu d'horreur, là. Sirène. Avec les fantômes. Où tu prends des photos de fantômes pour les tuer. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ouais que des jeux creepy quoi. Putain. Ah, ça dit bien quand ça s'arrête quand même. Les Spookington Skeletons. Parce que c'est sympa, mais c'est spooky. Mon dieu. Quand est-ce que cela ça va-t-il s'arrêter, la spookifications de la spookitude spookifiante? Non mais le jeu est kiffant quand même. Franchement, je dis des conneries sur le jeu, mais j'aime bien le côté répétitif des salles parce que ça t'apporte quand même une sorte de sécurité, entre guillemets, hein, entre grosses guillemets, parce que bon, c'est pas vraiment sécurisé, mais t'as l'impression d'être au calme quoi. Et c'est pas mal ça, j'aime bien l'idée.
Même si bon, là, je suis en train de passer à côté du jeu, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je fais chier tout le monde. Je veux dire, les mecs qui doivent regarder ça après, ils vont dire, putain, Harry, pourquoi tu sautes toutes les salles? Je fais, mais parce que j'ai peur. Popo, salle 300, bientôt. Oh ouais, bitch. Oh ouais. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je m'arrête là? Ou est-ce que je continue? Ouais, vous savez quoi? Je vais essayer de faire encore 50 salles. Puis après, on va arrêter. Je passerai à autre chose. Parce que là, je suis spookifié, quoi. Je suis ultra méga spookifié. En fait, plus trop, hein, parce que maintenant que j'ai l'habitude, je vois à peu près ce qui m'attend. Oh, j'aime bien le design! Badass! C'est assez badass. Je pense que c'est le côté claustrophobe en fait qui fait un peu peur. Mais bon. Je veux dire, je suis capable de programmer exactement le même jeu. C'est d'ailleurs peut-être que ça. Peut-être d'ailleurs ce que je vais faire, tiens, pour m'amuser. Programmer le même jeu. Oh! J'adore les textures résolution Nintendo 64, quoi. Allez, les portes qui ont exactement les mêmes gueules que celles dans Zelda. Alors les petits masques à la Majora's Mask pour faire genre, même si c'est tout pourri. Apparemment ça c'est un masque d'un youtubeur, mais c'est tout pourri. On se sent dans Zelda. Ah non c'est... Oh c'est laid ça. Popopopo. Blablabla, un marchand est arrivé en ville, il faisait des... Ouais, blablabla, 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 ok. Ok, bitch. Ouais, mais je me souviens de ça, c'est le seul truc dont je me souviens d'à peu près correctement, quoi. Comment il a fait pour que le modèle soit... Ah, mais c'est parce que c'est pas un modèle! C'est un génie, ce mec! Ah. Non, excusez-moi, c'est parce que je suis en train de me lancer dans le délire Game Maker. Je suis sûr que j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Ah. La clé du boss, bah oui, on est dans Zelda, quoi. Ouh là là, il y avait des masques et tout, des enfants qui manquaient, et le mec qui s'est noyé, il devait sans doute s'appeler Ben. Salle du boss. Ta-ta-ta-ta! You have met with the terrible fate, haven't you? My name is... The Happy Mask Salesman. But I am not happy. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 3, soleil. Ah bah non. Je suis sûr qu'il va fonctionner comme le mec dans... Dans l'autre jeu, là. À la con. Genre en mode... J'ai cette sensation si étrange que c'est plus que du Ben Drawn là. J'ai cette sensation étrange que je suis en plein dans... Comment ça s'appelle? SCP Containment Breach. Tant que j'entendrai cette musique, je suis sûr que je vais avoir affaire à ce mec. Thank you.
Happy Mask Salesman, c'est Ben Drum, on est dans Zelda, blablabla. La programmation Game Maker. Oh l'enculé. Je commence à stresser pour rien là. Putain, mais quand même ça va s'arrêter. Il va arrêter de me poursuivre. Ah, le musée s'est arrêté, c'est peut-être bon signe. Moi, je serais une grosse pute si je programmerais ce jeu, je ferais en sorte que la musique s'arrête pour faire croire qu'on est en sécurité. Mais en fait, va te faire foutre. T'es pas en sécurité. J'ai chaud. J'ai très chaud. Ah mon dieu. C'était pas agréable. Pas du tout. Pas du tout. Parce que là, franchement, merde, ça fait peur. Sa mère, la chienne. Oh putain, j'espère qu'il y a personne pour. Ok. Oh, oh putain. Ah, ça c'est pas bête. Prendre un truc que tu connais déjà, mais en le mettre en mode vraiment spooky. Sage plus soi. Plusification. Oh putain. Je vais m'arrêter. Quoi? Quoi? J'ai pas de salle de sauvegarde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Faut que je rush jusqu'à la salle 400, c'est ça? Putain. Oh le coup de pute. Oh c'est génial, j'adore. Oh oh. Oh merde, c'est pas le truc avec l'espèce d'araignée ça? Ça y ressemble en tout cas. Putain. Tous les dieux. De l'Olympe, du Valhalla, de l'enfer et du paradis. Faites que je trouve la salle qu'il me faut tout de suite. Sans avoir, sans être spookifié. Oh, des os. Des nanos. Va te faire enculer, j'ai pas besoin de ça. Oh mon dieu. Plus jamais je streamerai des jeux d'horreur. Quelle idée, quoi. Skeletons, you are very spooky with your house filled of skeletons and spooky stuff. Spooky, what you are,
Why are you a fucking ghost? You are really, really unspooky. By all means, I mean, I wanna shag you like a ghost. And I like ghosts. I'm a ghost fornicator. I'm a ghost fucker. Spooky, you don't spook me, but I spook you because you are spooky. Spookify, spookify me, spookify. Spookification, spook, spook. Si je commence à chanter, c'est que vraiment j'ai plus rien à dire là sur le jeu, à part que j'ai juste hâte d'être sur la salle 400 pour être tranquille, pouvoir finir cette vidéo et passer à autre chose. Oui! En effet! Ah. Yes! Sauvegarde! Yes! Bien les amis! Je vais m'arrêter là pour ce soir, avec ce jeu, parce que je suis trop spooked. C'est qu'un stream qui aura duré une heure quand même, hein, pour 400 salles. C'est cool. Donc on se dit à plus, les cocos. Et vous nous retrouverez, vous retrouverez la vidéo sur bien le truc. Et à plus tard. C'était Harry. Pour le deux potes un jeu. Et là c'était un stream et j'ai peur. Donc je vais arrêter de mes conneries.